When I was 10 years old, I was very similar to how I am now, I think. I don't think I've grown up that much. When I was 10 years old, I played a whole piano concerto with orchestra for the first time. 10 jours, je fais bitte, là, je fais so wie schon haut sind. Donc quand j'avais 10 ans, moi j'étais un petit garçon très espiègle, on disait que j'étais coquin. À 10 ans, j'étais un musicien qui était très passionné. À 10 ans, j'étais un petit filou, j'étais un petit voyou. Je crois qu'on ne change pas avec l'âge, je crois qu'on reste pareil. Oh, wie ich 10 Jahre alt war, ich ein scheuen, klängen, brave Bäbchen. I was very, we call it nerdy in English. Je faisais jusqu'à 2-3 heures de piano par jour à ce moment-là. Je ne faisais pas plus d'une heure. Je mettais le réveil et dès que ça sonnait, j'arrêtais de jouer. Toute ma vocation est née d'un petit film qu'on nous avait fait voir à l'école. Et on y voyait Mozart enfant qui jouait, qui improvisait, qui composait. Donc, mon métier plus tard, à l'âge de 10 ans, j'avais décidé que ce serait Mozart. Je serais Mozart. C'était une profession pour moi. Moi, je voulais être organiste. Diving at the sea, you know, professional diver. I think I was a little more mature when I was 10 years old. I must have been just very strange. I mean, in fact, at the age of 10, that's when I joined a youth orchestra for the first time. And then I was able to open out because there were other people who were just as strange as me. Wie für 10 Jahre Philharmonie gebaut ging, also wie es gegangen ist hier am Haus, das war etwas ganz Spezielles für Lützeburg. À l'époque, c'était une aventure invraisemblable. On n'y croyait pas vraiment parce que c'était tellement ambitieux qu'on pensait que c'était un rêve. Cette philharmonie a révélé la personnalité de l'orchestre. I think everybody who comes here, all the touring orchestras that come, all the soloists, is how actually versatile it is. It's more or less what you call kind of a perfect hold. It doesn't have a weakness. The combination between the excellent acoustic and excellent public makes Luxembourg very attractive to tour. Wir Musiker fühlen uns hier sehr, sehr, sehr wohl. On a réussi à attirer les plus grands artistes du monde. La Philharmonie a vraiment enrichi de façon exceptionnelle la vie culturelle à Luxembourg, non seulement dans la capitale, mais pour tout le pays et surtout la grande région. Qui permet aussi au Luxembourg de rayonner au-delà de ses frontières et de montrer que le Luxembourg est plus qu'une place économique, et plus qu'une capitale de l'Europe, et plus qu'un haut lieu industriel, mais à une dimension culturelle extraordinaire. Welches Stück wäre die Philharmonie? Don Quichotte de Strauss. Le Requiem de Mozart. The second movement of Beethoven's Eighth Symphony. Un mélange entre du Xenakis et du Steve Reich. Une Klaviersonate vom Helmut Lachenmann. Schoenberg, a little bit. Lots of different shapes going on, but lots of clarity and transparency. Sie ist sozusagen tausend Stücke. Sie ist so vielfältig und so bunt wie das Leben in Luxemburg. Spontanément, au tableau d'une exposition, Moussorski. Mozart Symphony. Oui, je pense que ce serait l'apprenti sorcier, parce que la musique, c'est magique. Quelque chose qui n'est pas encore terminé, parce que de dire que c'était terminé, ce serait quelque chose où on aurait déjà atteint son but. Et aujourd'hui, c'est encore une œuvre non complète parce que ça avance tout le temps, on se remet en question, on avance. Et après 10 ans, dire que ce serait une œuvre achevée serait terrible. On continue. 10 Jahre für das Konzerthaus ist nur ein Beginn, aber jedoch ein kleines Jubiläum. Ich gratuliere herzlich zum Geburtstag. With a big kiss, I want to say happy anniversary to the Philharmonie here in Luxembourg. Bon anniversaire. May you have many, many, many more decades and anniversaries to celebrate. Happy birthday, Philharmonie. Happy birthday, Philharmonie. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Établissement Public Salle de Concert Grand Duchesse Joséphine Charlotte.